Bonjour tout le monde, c'est Dr Paul qui tourne la carrière pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du système immunité. Je dis un grand merci à chaque monde qui est déjà abonné avec Chanel et vous même qui vous fait ça, je vous encourage à vous abonner avec Chanel pour ça nous capable porter plus de choses. Qui est ce système immunité? Le système immunité, l'organisme humain est fait par un système de défense qui est très organisé, qui est le système immunité. Qui est là pour défendre nous ou bien pour gourmer pour nous contre tout agresseur qui est capable de venir avec un problème, tant que bactéries, parasites, virus, etc. Qui ça lui fait pour lui défendre quoi pour nous? Lui fait par des réactions, soit réaction spécifique ou bien réaction inespécifique. Réaction spécifique là lui fait à travers cellules qui n'ont quoi tant que lymphocytes. Et elle fait ou par action non inespécifique, elle fait ou à travers des propres colis pour le gourmet pour nous. Qui est gens capable affectés par une maladie infectieuse? Ou capable prendre sous deux formes, soit forme directe ou bien forme indirecte. Là nous parlons des formes directes, mon capable affecté par sperme, par sang, par salive. Là nous parlons des indirectes, ou capable infecté par de l'eau à boire ou bien de l'eau à faire toilette tout, ou bien manger ou manger, ou bien tout ou piqué par un sérin qui était déjà infecté déjà. Sans nous pas oublier qu'il y a des bactéries qui sont très utiles et qui sont très aidées nous dans le corps, qui sont vraiment importantes pour le système. Normalement, nous avons tout quelque chose qui va faire connaître qu'il y a un système immunitaire qui est faible. Qui ça qui passe dans le corps, les nous affecté par un virus ou bien par une bactérie ou bien par un champignon. Ça passe. Quand vous avez un message, bah nous dit nous qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le corps. Qui ça nous sentions fiers ou bien température nous connu gros lui augmenter normalement si tu as remarqué qui ou a gagné une grippe qui persistant on parle de grippe 2 ou bien 3 fois pendant une année mais on parle de grippe répétée tant que chaque semaine ou gagne une séance de grippe là on capable avoir un système immunitaire qui faible. Deuxièmement, si tu as un stress qui est vraiment haut, soit au niveau travail ou soit au niveau études, là on va connaître que après un moment ça va passer, ou bien tu vas remarquer que ou bien un bagage dans quoi qui pas normal, ou soit malade, ou pas senti bien, là ou bien tu connais que le système immunitaire est faible. Troisième bagage, on dit si tu as un pire problème estomac. Là vous parlez des problèmes estomac, ou bien tu as un problème pour digérer aliments. Là où tu connais que tu as une bonne balance de bactéries qui est bon ou bien qui mal, qui n'est pas normal dans le corps. Soit au moins qui fait ou toujours des problèmes. L'autre barrière qu'on n'a pas ajouté, si tu as remarqué que tu as une pile fatigue. Nous connaissons normalement, nous toujours fatigués. Mais tu ne dois pas faire rien, tu es de temps en temps fatigué ou fatigué. Là où tu as un système immunitaire qui fait. Si nous avons parlé de tout le monde qui gagne 2 à 3 pneumonies pendant une année, là où tu as un système de défense qui est très faible. Si vous avez remarqué que vous avez plusieurs infections dans les oreilles, 2 ou bien 3 fois pendant une année, là, vous êtes capable de connaître que vous avez un système immunitaire qui est faible. Parce que ça va encourager que vous preniez un pile d'antibiotiques. Et antibiotiques, ça va détruire les bonnes bactéries qui sont dans l'intestin. C'est ça que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Je vais parler de qui ça vous doit faire pour gagner un système immunitaire qui est fort. Si vous aimez mes vidéos, quittez un like, quittez un commentaire et invitez un ami, invitez un sami pour qu'on puisse entrer dans la famille. Moi, je vous remercie, c'était Dr Paula Mircin Dumoubré. Merci, ciao!